Aujourd'hui, je dois reprendre mon travail après un temps d'arrêt lié à une maladie chronique. Mais je ne me rends pas directement dans mon centre SIAMT. Je prends d'abord contact via la plateforme pour un premier diagnostic et je ne me déplacerai au centre que si c'est vraiment nécessaire. Venez à 15h au centre pour une consultation. Merci de venir à l'heure pour que nous puissions échelonner la présence des salariés suivis dans la salle d'attente. À mon arrivée, je prends le temps de lire les consignes sanitaires qui sont affichées. Une fois à l'intérieur, je veille à bien respecter la distance d'un mètre qui doit me séparer des autres en me plaçant derrière la ligne prévue à cet effet. Nous désinfectons régulièrement les poignées de porte, les interrupteurs ou même la machine à café en libre-service. Nous portons tous un masque que nous changeons régulièrement. Nous avons également du gel hydroalcoolique, des lingettes et des produits désinfectants à disposition. Enfin, une barrière de protection en plexiglas nous protège et protège les patients des risques de contagion. Bonjour, j'ai rendez-vous pour une consultation à 15h. Parfait, vous devriez bien vous désinfecter les mains et porter ce masque tout le temps passé dans nos locaux. L'infirmier va vous prendre en charge pour des examens complémentaires et le docteur va vous recevoir. Nous vous enverrons les attestations par email afin d'éviter tout risque de contagion. Je vais maintenant passer les examens complémentaires. Dans le couloir, je fais attention à la distance qui me sépare des autres personnes. Je désinfecte tous les appareils après chaque examen réalisé et je change le masque toutes les 4 heures. Je me lave les mains systématiquement après chaque personne vue et régulièrement dans la journée. Entrez, madame, nous allons faire quelques examens de dépistage. C'est parfait, je vous laisse passer en salle d'attente, le médecin viendra vous chercher. Comme les autres personnes présentes dans la salle d'attente, je veille à laisser au moins un siège entre mon voisin et moi. Nous désinfectons régulièrement les sièges et les accoudoirs. Bonjour madame, je suis à vous dans 2 minutes. Entre 2 patients, j'ouvre la fenêtre pour aérer mon cabinet et je me lave les mains avec du gel hydroalcoolique. Je change aussi régulièrement mon masque. C'est à vous. Alors dites-moi tout. Travaillez bien et n'oubliez pas les gestes barrières. Merci docteur, au revoir. Avec toutes ces précautions sanitaires, je me suis vraiment sentie en sécurité. Et c'était très bien organisé. Merci le SIAMT.